Joseph Kabila Kabang, Washington, Kwasa, yeye ubu ni bingu mugu
bintu washinkwasa buli mwana wa mulitunga musungula yeye kumusungula washiri mugwa musungula munkwasa mbwali kuti bwenzeke bwakumpala mukongo wetu tusambiila ukelenga Felix Antoine Tshisekedi bwayenze mulimu wende byakana tunanganga nayi tuswikanga nayi tukatala kimo bokuwatawu wa mawu tuto wetu nyama kumigolo bwayenze mulimu wa lumu lwa bana bamwena kasanyi
I can do it. I don't have a problem.
national. Thank you.
Kane. Donner à notre peuple qui, pour les motifs d'apparence, d'appartenance, s'est livré aux actes de violence des 50 livres. Car la Bible dit, si le peuple sait.
Nding est président élu à Outiko prêté serment à passation des pouvoirs et Outiko Salem a vraiment Bandego Yala tout mis à la télévision. Vous allez vraiment brancher, connecté pour vous suivre l'événement Nding et Zoleka. Je salue Bassinus Baza connecté ou vous allez connecter n'a pas quoi n'a mis collègue ou y a Bandas. Mais vous allez connecter vraiment vos talents Nding et Nini à passation des pouvoirs et Outiko Salem. J'ai jamais vu dans la République démocratique du Congo. Boebi combat y a papa Tshisekedi et là qui a démocratie et quand on a mort en abysso ça fait 37 ans d'élite au IDP sa bundaga pour na kozoa masolo bakina ba benga masolo soit pour na kozoa pouvoir lelo et comme vérité lelo comme réalité bolanda bolanda événement et bozala vraiment déçu merci. Mesdames des médiations syndicales et confessions religieuses, autorités locales des coutumières, distingués invités, tous en vos qualités, rangs et grades respectifs, chers compatriotes, ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. C'est un jour rêvé par tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il avait de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble les rivages de notre destin. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Si cette étape de la transition démocratique peut être considérée comme l'aboutissement d'un combat, nous devons aussi y voir l'horizon d'une ère nouvelle. Sans aucun doute, le commencement d'un autre combat dans lequel nous voulons engager tout le peuple congolais, le combat pour le mieux-être de chaque citoyenne et citoyen de ce beau pays. Chers compatriotes, 59 ans après notre indépendance, le peuple congolais réalise par son engagement démocratique une transition du pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. Nous tenons à exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. Cette confiance sera pour nous un soutien indispensable dans l'exercice de nos hautes responsabilités. Nous nous engageons donc à nous conformer scrupuleusement à nos obligations constitutionnelles publiques. Excellences, messieurs les présidents, distingués invités, excellences, mesdames et messieurs, chers compatriotes, le peuple congolais a fait de chacun d'entre nous des citoyens fiers de leur histoire et dignes dans la souffrance de leur combat quotidien. À cet instant où une partie de l'aboutissement de ce combat prend toute sa dimension historique, notre peuple, ce vaillant peuple combatif, n'a jamais perdu espoir. Notre force collective réside dans notre attachement aux valeurs universelles de paix, d'un état de droit au service de chaque citoyen. Nous tenons à rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance.
grâce à leur sacrifice. Nous vous prions de vous lever et d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Vous célébrez différents acteurs présents et passés qui ont contribué à l'avènement de cette transition démocratique. Nous pensons tout d'abord au président Joseph Kassavubu, réputé pour sa droiture et sa gestion saine des deniers publics. Ensuite, au premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui déclara, je cite, « Pour la dignité de l'Afrique, j'accepte la mort ». Oui, au président Joseph Désiré Mobutu, déterminé dans la recherche de l'unité du peuple congolais et l'affirmation de notre authenticité. Enfin, au président Laurent Désiré Kabila, particulièrement attaché à l'idéologie de ne jamais trahir le Congo. Pour les architectes de notre souveraineté, la noblesse de leur combat demeurera à jamais dans notre conscience collective nationale. Elle est une exigence qui nous impose de réussir dans notre mission au service de notre peuple. Nos pensées se dirigent également vers tous les candidats qui ont participé à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Nous saluons la participation importante des femmes comme candidates aux différents scrutins du récent processus électoral. Nous les encourageons à s'engager davantage lors des prochaines échéances électorales afin de promouvoir la parité homme-femme prônée par l'article 14 de notre Constitution. C'est ici l'occasion de témoigner notre profond respect et sincère admiration à l'endroit de notre frère Martin Fayulu Madidi, avec lequel nous avons mené ce combat politique depuis plusieurs années. L'engagement de ce véritable soldat du peuple est un exemple pour la vitalité de notre démocratie et la responsabilité civique de chaque Congolais. Nous partageons aussi un sentiment patriotique commun avec le camarade Emmanuel Ramazani Shadari et tous les autres citoyens qui ont pu apporter engagement et contribution par leur idée pour un Congo meilleur. À tous ces compatriotes que méritent, la patrie leur est reconnaissante. Par la consultation, le dialogue et la prise en considération de leurs idées, nous sommes enclins à les associer à la gouvernance de notre pays. Chers compatriotes, l'animation de notre processus démocratique a bénéficié de l'apport déterminant de plusieurs institutions, organismes et acteurs de la société civile. Nous voulons aussi mettre en exergue l'important rôle de la Commission nationale électorale indépendante, CENI en sigle, des confessions religieuses dans toute leur diversité, des organisations civiles et mouvements citoyens. En effet, pour la première fois, notre pays a organisé sur fonds propres, sans la moindre contribution financière extérieure, une triple consultation électorale. Néanmoins, notre dispositif électoral mérite des ajustements appropriés. Nous saluons la contribution de différentes confessions religieuses de notre pays dans la consolidation du processus électoral, avec une mention particulière à l'Église catholique, dont l'accord de Saint-Sylvestre a été déterminant. Chers compatriotes, cette campagne a été aussi pour nous l'occasion de valider le patriotisme de certains de nos concitoyens disposés à surpasser toute ambition individuelle pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons une pensée émue pour notre frère, ami et colibier de la coalition CAP pour le changement en sigle CAP. Nous citons
Vidal Kamere. Vidal Kamere est président du parti Union pour la Nation Congolaise, UNC, bien qu'initialement candidat à la présidentielle de 2018, a su mettre les intérêts du peuple congolais au-dessus de ses ambitions personnelles, en formant avec nous-mêmes et notre formation politique UDPS le ticket gagnant. Chers compatriotes, aussi, dans le cadre d'une action concertée, nous entendons engager le gouvernement et toutes les autorités coutumières de notre pays à œuvrer pour la paix et la tolérance en vue d'une cohabitation pacifique entre nos différentes communautés. Par ces vertus, l'épisode douloureux des conflits tribaux et locaux qui ont endeuillé notre pays ne sera qu'un lointain et triste souvenir. Outre nos citoyens civils, les premiers garants de notre cohésion nationale sont nos forces de défense et de sécurité qui assurent un rôle primordial dans la protection et l'intégrité du territoire ainsi que dans celle des personnes et de leurs biens. Nous leur offrirons un cadre de travail digne de leur mission pour en faire une institution véritablement républicaine. Nos forces de défense et de sécurité doivent être porteuses du dialogue entre civils et leurs différents corps de métier. La gestion de nos forces de défense et de sécurité doit se faire sans la moindre discrimination ethnique ou sociale. À compter de ce jour, elles doivent se sentir pleinement intégrées dans la nation par leurs actes. Nous voulons valoriser par une plus forte responsabilité l'attachement de nos compatriotes aux valeurs républicaines qui régissent notre nation. Chers compatriotes, nous appelons les détenteurs de l'autorité à tous les échelons de notre pays au respect strict et infaillible des droits des personnes et de leurs biens, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, en leur demandant de réaliser leur mission dans le cadre légal. Dans ce contexte, le gouvernement initiera une campagne de sensibilisation de tous les agents de l'État sur leurs responsabilités vis-à-vis de nos populations. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. Tout notre mandat, nous veillerons à garantir à chaque citoyen le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Nous nous engageons à bannir toute forme de discrimination. Nous bénéficions à chaque étape de l'inspiration de ceux qui orientent notre vision. À ce titre, nous voulons rendre un hommage héroïque à celui qui a orienté et façonné notre lutte politique durant 4 décennies, avant de nous quitter au cœur du combat le 1er février 2017. Nous avons quitté le président Étienne Tshisekedi. Le contemporain de notre pays a su par son charisme, sa rigueur morale, sa ténacité et son dévouement incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Nous vous disons ici de témoigner toute notre affection et la reconnaissance de la nation.
Le président Étienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de la lutte politique au service de chaque Congolais, quelle que soit son opinion, son origine et son passé. Yo,
là-haut, ça arrive, c'est la sécurité à tout le monde. Nous demandons à la technique de remettre le micro du commandant Troupe.